Un homme dans la trentaine a été poignardé à Montréal hier soir. Ce qui est inquiétant, Marie-Lise, c'est que ça s'est passé dans un secteur achalandé en plein centre-ville. Oui, et pour vous en parler, on se trouve là où a eu lieu l'agression hier en fin de soirée, 21h, pile tout près de Sainte-Catherine. Donc, ça a eu lieu à la fermeture des boutiques alors qu'il y avait encore des restaurants ouvert. L'homme dans la trentaine a été retrouvé par les policiers gravement blessé au haut du corps. Il aurait été poignardé par un objet tranchant, ensuite transporté vers un centre hospitalier dans un état critique. Et finalement, un peu plus tard en soirée, les équipes médicales ont laissé savoir à la police que son état s'était stabilisé, donc on ne craint plus pour sa vie. Que s'est-il passé à l'origine de cette agression armée? Je vous laisse entendre Véronique Dubuc du SPVM. Selon les premières informations qu'on a pu obtenir par les policiers qui étaient sur place, il s'agirait d'un conflit entre un groupe d'individus. Ce conflit aurait dégénéré en agression armée où il y a eu utilisation d'objets contondants et tranchants. Il y aurait deux suspects qui auraient pris la fuite avant l'arrivée des policiers. Est-ce qu'on a un peu plus de contexte sur ce qui aurait pu provoquer l'altercation? Est-ce que ça s'est passé à la sortie d'un bar, par exemple? La raison reste inconnue. Les enquêteurs vont évaluer avec les éléments de preuve qu'ils ont en main, c'était quoi les circonstances entourant l'événement. Donc, ils vont pouvoir éventuellement établir le lien entre le groupe d'individus et la raison pour laquelle il y a eu une agression armée. Alors, on vient de l'entendre, le ou les suspects avaient pris la fuite avant l'arrivée des policiers. Pas d'arrestation, mais c'est quand même un secteur achalandé du centre-ville de Montréal. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a de potentiels témoins qui pourraient être rencontrés par les policiers, si ce n'est pas déjà fait. Également, des caméras de surveillance qui auraient pu capter la scène, qui pourront être visionnées par les policiers. Non, c'est vrai, il y en a plusieurs sur les différents commerces au centre-ville. Merci beaucoup, Marie-Lise. À tantôt.